Voilà, il est 17h30, après à peu près 9 heures de marche, bon, avec une pause déjeuner d'une heure et demie. Ben, nous voilà arrivés au deuxième campement, voilà, deuxième bivouac. On vient d'arriver, tout le monde récupère son matériel et commence à voir où il va placer sa tente. Comme d'habitude, moi je m'y prends en dernier. Parce que moi j'ai pas de tente en fait, je dors juste avec. J'ai pas de tente, j'ai pas de sac de couchage, j'ai juste des couvertures et puis je suis habillé chaudement. Il va faire plus froid qu'hier, hein, ici, on est en altitude. Et voilà, mais je vais m'installer à la toute dernière minute quand je déciderai un petit peu de là où je trouverai le ciel le plus étoilé à contempler. Voilà, donc on va se reposer un petit peu là, franchement, bonne fatigue, très très bonne journée, très riche, intense. Le groupe commence à se consolider doucement, on a eu le temps de tous un petit peu discuter, de faire connaissance, très très bon casting. Voilà, il y a très très bonne vibration, tout le monde est solidaire, tout le monde est respectueux. Et tout le monde a des choses importantes aussi, intéressantes, excusez-moi, à nous apporter, à nous apprendre. Voilà, les conversations sont super et en même temps, on a quand même la possibilité, chacun, quand on le veut, de s'isoler un petit peu du groupe, quand c'est possible, hein, parce qu'il y a certains endroits où il vaut mieux quand même rester près du guide. Mais voilà, c'est ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est que j'ai eu des moments de groupe, des moments d'intimité, et puis on a fait un peu tout là, nature rupestre, on a vu côté écologique aussi avec la vallée des cèdres du Tassili, voilà, des magnifiques paysages. Je suis